Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Strax, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le jeu Virtua Tennis 3. Donc ce jeu a été édité et développé par Sega, c'est un jeu de type sport qui est sorti en France le 23 mars 2007, et il est classé tout public. Et donc, dans ce jeu, on aura la possibilité de créer son joueur, son propre avatar, donc dans un mode carrière, ou de faire des matchs avec les joueurs actuels, voilà. Enfin, les joueurs actuels, les joueurs plutôt qui étaient présents en 2007. Donc là, on a pu voir Federer. Je ne sais pas si Nadal est dans le jeu, mais je l'espère. Enfin, je crois bien que ouais, si, il était dans le jeu. Alors, on va directement commencer. Ok, Virtua Tennis 3. Avertissement, ce jeu sauvegarde automatiquement. Ok, bah ça, pas de souci. Alors, créer un nouveau truc de sauvegarde et c'est parti. Alors, le tour mondial. Le tour mondial, je crois bien que c'est on choisit un joueur et notre but. Ah, quoique, attendez, est-ce que c'est pas la création? Alors attendez, on va essayer de le faire. Ah ouais, ok. Par contre, est-ce que je peux faire retour? Ok, c'est parfait. Donc en fait, le tour mondial, c'est la création de notre joueur. Donc notre joueur qui va débuter petit et qui va au fur et à mesure commencer à avoir de la gueule, si on peut dire ça comme ça. Tournoi. Donc est-ce que c'est... Ok, donc les tournois se réalisent avec des joueurs professionnels. Donc on a la possibilité soit de faire un simple, soit un match double. Match d'exhibition, c'est un match amical, en quelque sorte. Enfin, c'est pas en quelque sorte, c'est un match amical. Donc en simple ou en double. Partie sur court, c'est quoi ça? Donc partie sur court, ça a l'air d'être une sorte de mini-jeu. Enfin, plusieurs mini-jeux. Et le mode multijoueur, c'est la possibilité de jouer avec des autres possesseurs du jeu Virtua Tennis. Donc on va un petit peu regarder ce qu'il y a dans les options. Donc classement du mode tournoi. Ok, donc là pour l'instant, moi je peux pas être classé parce que je n'y ai jamais joué. Paramètres du son, est-ce que le son... Appel de l'arbitre. Hop. Paramètres des commandes. Bon, enfin, non, on va plutôt faire directement commencer avec un match amical. Donc match d'exhibition, parce que je vais pas vous proposer le tour, ça sert à rien. Donc j'espère que par contre la difficulté c'est pas trop dur. Et moi, j'ai bien envie de prendre notre ami Nadal, allez, pourquoi pas, et le faire contre... Il n'y a pas un Français, donc en français, il y a Grosjean, mais non. Allez, hop, pourquoi pas contre Gaël Monfils. Bon, comme ça va pas être trop compliqué. Par contre, le niveau de difficulté de l'adversaire, c'est comment? C'est sélectionné au préalable ou... Alors... On va faire en... Alors, on va pas faire trop long, comme ça je vais pouvoir un petit peu visiter... Je vais pouvoir visiter... Comment dire? On va mettre en normal, voilà. Comme ça je vais pouvoir un petit peu faire un tour dans le menu et tout. Comme ça peut-être qu'on aura le temps de réaliser un mode ma carrière. Un tout petit, le temps de créer un joueur et de commencer. Donc là, pour l'instant, ça n'a pas l'air très compliqué. Enfin, en même temps, vous allez me dire, j'ai mis le mode normal. Hop, donc... Ouh, yes. Non, non. Ouais, donc moi, les jeux de tennis, j'ai commencé... Enfin, c'est pas j'ai commencé, mais j'avais joué à Roland-Garros... 2005 sur PlayStation 2, je m'en souviens que je l'avais acheté. Et je passais quand même pas mal de temps dessus.
Parce que du tennis, quand j'étais plus petit, j'en ai fait quelques années quand même. Et c'était un sport qui me plaisait tout particulièrement. Donc maintenant, c'est le basket, mais bon, à un moment, ce fut le tennis. Et là, par contre, il est en train de m'épuiser, le Gaël. Hop, 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 allez, allez. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, je t'ai eu. Yes, voilà. Mais par contre, attendez. Faut que je regarde un truc par rapport au... Non, on peut pas. Ah, on n'a même pas la possibilité. Ou par contre, il sert... ouais, pour l'instant, les services, c'est pas trop ça. Enfin, en même temps, je sais pas trop les exécuter. Allez, hop. Normalement. Non, non, non. Il me fait courir, hein, le gamin. Oh là là. Mais pourquoi il fait pas un smash? Oh là là. Mais je crois en fait pour servir fort, c'est comme ça. Ah bah même pas là, j'ai encore servi moins fort que tout à l'heure. Parce que en fait j'appuyais sur croix pour servir. Et bah pour l'instant, je ne sais pas trop, mais bon je pense que je vais faire... Je vais plutôt m'entraîner sur ce jeu. Comme ça, je pourrais vous proposer encore des meilleurs contenus. Parce que là, ouais, à chaque, enfin, chaque vidéo de PSP que je vous propose, le jeu... Alors le jeu, soit j'y ai déjà joué au préalable, parce que je l'avais déjà. Donc, ou le retour. Yes. Donc c'est soit ça, par exemple les GTA et tout, enfin en même temps les GTA c'est pas très compliqué à se mettre dans le gameplay, à se mettre dans le jeu, c'est pas, ouais c'est vraiment facile, mais il y a des jeux, par exemple le tennis, le basket et tout, bah là c'est soit on sait y jouer, enfin on peut progresser, hein, ça, je ne dis pas le contraire. Je peux faire un amorti? Ou bien joué, Nadal! Non. Mais là, ça joue mal. Je trouve que ça joue vraiment mal. Mais en même temps, je sais pas si on peut courir et tout. Je sais pas faire les petits coups. Les petits coups qu'on devrait savoir faire. Parce que là, regardez, il y a. Je sais pas combien de balles qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Yes, bien joué. Je trouve que l'IA il est assez bête quand même. Hein. Parce que si je recule un... Enfin si j'avance un tout petit peu, il va la mettre en l'air, regardez. Ah mince, non. Il l'a pas fait mais... Regardez, mince. Ouais bon là j'ai pas réussi à se matcher mais il la met en l'air. Et du coup bah je peux se matcher juste après. Non, toujours pas. Mais là, il peut se matcher. Depuis tout à l'heure, il aurait pu se matcher. Yes, voilà, regardez. Oula. 141 km/h. Ah, j'espère qu'il y a un mode entraînement dans ce jeu. S'il y a un mode entraînement, ça serait pas mal. Comme ça, je pourrais aller faire un petit tour. Mais juste attendez 2 secondes que je règle un petit truc. Donc, dans le paramètre de jeu, mise en tampon. Et je crois que c'est là. Hop. Ouais. Par contre, maintenant, il y a ma souris qui me gêne. Ah, mince! Donc ne vous inquiétez pas si ça a accéléré d'un coup. C'est pas vous qui buguez, c'est ni moi qui bug. Mais c'est que... C'est en fait sur ma manette, il y a une touche qui a été réglée pour accélérer le jeu et sans faire exprès, je l'ai touché. Donc là, hop. Mais pourtant, Nadal, c'est pas connu pour être un joueur qui remonte au filet. Mais bon après bah si ça marche bah tant mieux. Allez tu l'as pas celle-là. Mais si il les a tous parce que là je lui offre.
Là, j'attaque pas. Je pense, mais pas dedans. Pourtant, la balle, elle est smatchable. Ah, moi, combien de fois j'aurais smatché là? Bah voilà, hop. Ah, je crois que j'ai mis quand même beaucoup de jeu. Hein. Ah bah lui aussi il sert pas fort. 154 km/h. Donc moi avec croix je tirais un petit peu plus fort où j'ai eu de la chance. Ah par contre faut pas. Yes. Faut pas rester sur un côté. Si tu restes sur un côté, mon ami mon fils, bah tu vas avoir du mal. Enfin c'est un petit avis personnel que je te donne. Même si je sais que tu m'entends pas, hop. Ah, je préférais beaucoup Roland Garros 2005. Hein. Pourtant, le jeu, il est sorti après. Enfin, en même temps, il était sur PlayStation. Donc, sur PlayStation, c'était mieux modélisé et tout. Parce que là, on se retrouve sur une PlayStation, mais portable. Donc, la PSP. Et les graphismes, ce n'est pas pareil, mais. Oh là là. Ah, yes. Non, tu ne m'auras pas comme ça. Et là, tu l'as pas celle-là. Yes. Ah, je pensais qu'il allait l'avoir en plus. Bon, ce jeu, il va se jouer plus rapidement que le précédent. Enfin, en même temps, ça peut pas être plus compliqué parce que je commençais à me faire mes petites marques. Donc voilà, il m'a fallu un jeu. Là, est-ce qu'il l'a? Ouais. Mais celle-là, tu l'as pas. Yes. Oula, 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 oula. Là, j'ai appuyé trop rapidement, je me suis trompé. Donc ça, c'est quoi? Ouais, c'est pour les lobes. Ou par contre... Yes. Mais là, en vrai, ouais, il m'aurait mis un retour direct. Est-ce que tu l'as? Ouais, bah oui, il est tranquille. Celle-là aussi, normalement, tu l'as. Voilà. Mais sauf que moi aussi, je l'ai et je te mets un gros match. Ah, faut que. Attendez, après, je vais essayer d'aller jusqu'au rouge. On va voir si j'y arrive. Oh, je pensais que j'allais pas avoir cette balle. Mais je sais pas si je peux atteindre le rouge. Donc là. Yes. Ouais, je sais pas du tout si je peux. Mince. Ouais, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut avoir le bon petit doigté. Et en fait, je sais pas si je vais pouvoir vous proposer le mode ma carrière. Et mince. Parce que là, je pensais pas qu'on allait mettre autant de temps. Yes. Bien joué. Bien joué Strax. Ah, quoique c'est la balle de match. C'est la balle de match. Bah ouais. Ah, j'ai bien fait de mettre en 3 jeux. Oula, bah là c'est carrément raté. Donc bah je sais pas, je vais voir s'il y a un petit mode entraînement. Bah pourquoi il a pas se matché sur cette balle? Ah, tu l'as pas celle-là. Ah si, il l'a eu. Mince, mais non, je voulais tirer de l'autre côté. Yes, et voilà. Jeu, set et match. Voilà, bien joué mon ami Nadal. Bien joué, bien joué, bien joué. Comment ça, il a pas fait... Enfin, moi, j'ai pas fait de faute. Bah si, pourtant. Ok, donc là, c'est parfait. Donc, sur le parti sur court, est-ce qu'il y a un entraînement? Non? Tombeur de qui? Avalanche, menace, bingo. Parti sur court. Bon, on va faire partie sur court. Je pense que c'est mieux de privilégier les mini-jeux que de faire un mode ma carrière. De toute façon, les modes ma carrière sur le tennis, c'est ça. On crée notre joueur et après on commence petit. Donc jouer face à des classés vers les derniers. Et notre but, c'est de se classer le numéro 1. Donc tombeur de qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va prendre Federer. Faites tomber toutes les quilles. Donc ça mélange du tennis et du bowling ça. Ah ouais, c'est une balle géante carrément.
Ah donc c'est carrément ça, c'est carrément du tennis et du bowling, mince. Bon, le deuxième coup, je ne l'aurais pas eu, donc là, hop. Ah, presque un strike, presque. Ah, dommage. Mais pour l'instant, je sais pas encore faire les petits effets. Ouh là bah là, là c'est dégueu. Ah bah carrément. Pourtant j'ai pas. Attendez, attendez, attendez. Non, je vais plutôt faire le mode histoire comme ça. Enfin le mode ma carrière. De toute façon, ça c'est des mini-jeux, voilà, comme dans Roland Garros 2005 d'ailleurs. Bon, je préférais encore une fois. Vous allez dire, ah, il parle encore de ce Roland Garros, mais ouais, il était beaucoup. Enfin, il était mieux, même au niveau des mini-jeux. Qui était plus diversifié, donc le nom. Donc, je vais l'appeler. Hop, tu vas t'appeler Strax. Parce que j'ai envie, parce que t'es le meilleur. Ah ouais, par contre, ça va pas le faire, ça. Alors, hop. R à X, mais le truc c'est si je fais start, ça remet une lettre. Donc là, je l'appelle double Strax. Hop, c'est parfait. Donc le visage, je vais plutôt, non pas noir, mais voilà, comme ça, couleur des yeux. Même si on voit pas trop la différence, enfin. Ouais, si, c'est minime en fait. C'est vraiment très très minime. Hop. Donc ça. On va pas faire un. Mince, mais non. Ça, je m'en fiche. On va pas faire genre. du mode ma poupée là. Ouais, je m'en fous un petit peu. Tiens, chauve. Non. Y a pas une casquette en. Attendez, en arrière. Ou un banc. Ah. Genre là, ça fait Grosjean. Grosjean, il était toujours comme. Wow, c'est quoi ça? On n'a pas la possibilité de tourner la caméra? Mince. Non. C'est pas ça que je voulais faire, mais bon. Non, allez, je vais mettre la. Ou sinon, un bandeau, ça aurait été pas mal, mais pas comme ça. Là, c'est moche. Ah ouais, c'est vraiment. Moche, mais bon, c'est pas grave. Allez, hop, on va laisser comme ça. Donc, cheveux, on va mettre en noir. Sourcils longs, je m'en fiche. Barbe. Non, je vais laisser comme ça. Hop. Et plutôt mettre un truc noir. Couleur des sourcils en noir. Voilà, ça fait mieux. Hop. Non, 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 non. Retour au mode écran, bah non. Corps. Alors je peux choisir la taille, le poids. Voilà, là c'est parfait, je m'en fiche un peu. Tenue. Voilà, raquette bleue, elle est pas mal. Voilà, ok, style de jeu. Maintenant. La raquette à droite, à gauche, droite, ouais. Ah, mais là. Ah mince, non, 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 attendez, 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 attendez. Non, 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 moi je peux pas faire ça. Moi je mets pas de queue de cheval à mon joueur. Hop, si on laisse comme ça, je m'en fiche, mais ouais, je veux pas de queue de cheval, moi. Hop, êtes-vous sûr de vouloir commencer le tour mondial? Bah ouais. Sélectionner un lieu de résidence. C'est où l'Europe? Ah, c'est là. Et hop. Non, non, non. Non. Valider ce lieu. Ouais, je vais habiter en France. Alors, donc là, vous voyez en haut à droite que je suis classé 300e. Et
En haut, il y a la barre d'endurance. Bah, ça, c'est ce qui était aussi présent dans quel jeu, à votre avis? Roland Garros, ouais. Donc, si on enchaîne vraiment les matchs, bah, on va pas commencer nos matchs à fond. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire attention. Alors, maison, équipement, repos. Donc, on a la possibilité, ok, de se reposer. École de tennis. Bah, ça peut être pas mal. Ah, bah voilà, enfin! En fait, pour faire le mode entraînement, il faut faire un mode comme ça. Ok. Donc, faites un coup au fond de court, puissance max. Ah, c'était juste ça à faire. Bon, par contre, toi, niveau puissance et tout, bah, c'est pas encore ça. Et au début, ça va être que ça va être que de la difficulté à essayer de monter. Réussi! Non? Si, elle est là. Mais moi, je vais entendre le réussi! Pourquoi ça veut pas? Pourquoi il fait des amortis comme ça? Ça, j'aime pas ça du tout. Et non. Non, non, non. On se demande comment il l'attrape, mais bon. Mais pourquoi perdu? Pourtant, là, niveau puissance et tout, j'étais bon. Non? Bon allez hop, ça j'en veux pas. Retour à la carte du monde, voilà. Et hop hop hop. Ah ouais, en plus ça m'a fait perdre de l'endurance, entraînement volé. Moi j'ai envie de directement commencer, voilà. Votre classement est insuffisant. Donc en fait il faut qu'on atteigne minimum la 204e position, place au classement, pour participer à ça. Donc bah c'est sur ces paroles que nous allons nous laisser sur ce jeu Virtua Tennis 3, troisième du nom. Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et salut les gens.